Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous créez une équipe pour la course Terry Fox 2024. Il y a deux façons de se créer une équipe selon si vous êtes déjà inscrit en tant que participant ou non. Pour ceux qui sont déjà inscrits en tant que participant, je vous invite à avancer jusqu'au temps de la vidéo que je vous mets juste ici, car je vais montrer l'autre méthode en premier. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, rendez-vous au site terryfox.org/fr, puis descendez un peu et cliquez sur « Collecter des fonds pour la course ». Afin de trouver la course la plus près de chez vous, vous pouvez soit trier les courses par province ou alors chercher votre ville dans la barre de recherche. Dans mon cas, je veux participer à la course de Montréal. Alors, je la cherche et je clique sur la course Terry Fox Montréal. Je clique alors sur s'inscrire et collecter les fonds, puis sur créer ou rejoindre une équipe. Je clique ensuite sur créer une équipe et je remplis le formulaire d'inscription des informations sur l'équipe. Donc, le nom de mon équipe, c'est le tutoriel de la Fondation Terry Fox. Mon objectif pour cette campagne de financement est de 1 000 $. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Et le lien Internet vers mon équipe, ce serait tutoriel.terryfox. Ensuite, il vous suffit de remplir les quelques questions supplémentaires par rapport à votre équipe. Donc, mon équipe est une équipe d'un organisme. Si vous voulez des affiches promotionnelles pour votre équipe ou pour la course Terry Fox, vous pouvez en indiquer la quantité juste ici. Si vous faites la course en l'honneur ou en mémoire de quelqu'un, vous pouvez aussi l'indiquer ici. Ensuite, est-ce que vous êtes déjà inscrit pour des années passées? Notre équipe, non, c'est une nouvelle équipe. Je suis aussi un nouveau capitaine. Si vous voulez aussi partager pourquoi vous faites la course Terry Fox, ça me fera plaisir de vous lire et vous pouvez l'inscrire juste ici. Si vous voulez des chandails pour votre équipe, vous pouvez cliquer ici et notre équipe vous contactera. Pensez de créer votre équipe. Après avoir créé votre équipe, il vous faut créer une page individuelle de participants. Donc, rentrez votre prénom, votre nom de famille et votre adresse courriel. Ensuite, cliquez sur la case pour vous inscrire en tant que participant et inscrivez le nom de votre page personnelle, car vous aurez autant une page personnelle qu'une page d'équipe. Donc, votre objectif pour votre campagne de financement personnel, par exemple 500 $, et votre page personnelle de financement. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un don pour commencer votre campagne de financement. Vous veuillez ensuite cocher la case de renonciation et accepter les conditions. Une fois que cela est fait, cliquez sur « Sauvegarder ». Cliquez ensuite sur « Continuer », puis remplissez les dernières informations, donc votre courriel, votre numéro de téléphone, votre prénom, nom de famille à nouveau, ainsi que votre adresse. Vous aurez alors créé votre inscription de participant individuel, ainsi que votre équipe. Pour ceux qui sont déjà inscrits en tant que participant individuel, connectez-vous à votre page, cliquez sur « Mes outils de collecte de fonds » et puis sur « Modifier ma page ». Allez jusqu'en bas. Et cliquez et cochez la case pour connecter ma page personnelle à une équipe. Donc, si vous voulez créer une équipe, vous faites juste ici en rentrant le nom de votre équipe. Donc, tutoriel de la Fondation Terry Fox, par exemple. L'objectif de votre équipe, donc, par exemple, 1 000 $. Quel type d'équipe vous formez? Personnellement, un organisme. Si vous voulez des affiches promotionnelles, vous pouvez en indiquer la quantité juste ici. Ensuite, si vous désirez votre participation à la mémoire ou à l'honneur de quelqu'un, vous pouvez l'indiquer juste ici. Et si ensuite, vous êtes déjà inscrit, vous êtes une nouvelle équipe ou non. Personnellement, mon équipe n'était pas inscrite dans les années précédentes, alors je mets non. Si vous êtes un nouveau capitaine, je suis un nouveau capitaine, alors je mets nouveau. Si vous voulez dire pourquoi vous créez une équipe, il nous fera plaisir de vous lire, vous pouvez l'écrire juste ici. Si vous voulez recevoir des chandails pour votre équipe, vous pouvez cliquer ici pour en commander. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Et vous verrez que vous avez accès à votre page d'équipe juste ici.